Alors dites-moi, je vais savoir, dites-moi un peu, qu'est-ce que nous allons dire à nos parents pour qu'ils nous permettent de quitter nos toits? Je ne sais pas encore. Très simple, vous leur dites ce qu'ils ont besoin d'entendre et ils n'auront pas d'autre choix. Et vous pensez que c'est ça la solution? Leur dire quelque chose comme quoi? On veut leur dire que nous voulons commencer la compétition scolaire, déjeuner en herbe et par là... Nous aurons l'argent pour répondre à nos besoins. Oh mon Dieu! Je deviendrai une génie! Oui. Et s'il cherchait à les vérifier? Cela veut dire que ta maman ne te fait pas confiance parce que moi, ma mère me fait confiance. Elle croit tout ce que je lui dis. Nous avons le week-end pour parler à nos parents. Alors faites de votre mieux pour convaincre vos parents, s'il vous plaît. Jay, pourquoi tu nous regardes comme ça? Mais en réalité, toi, tu n'as pas un problème, oui. Tes parents sont morts et tu as la facilité de quitter la maison. Cynthia! Mais comment... Ai-je dit quelque chose de mal? Mais comment tu peux oser dire ça? Qu'importe ce que tu avais derrière ma tête, tu n'aurais pas dû le dire de cette façon. Oui! Jay, s'il te plaît, écoute. Je suis désolée, je suis vraiment désolée. Ce qu'elle disait est très bénéfique, mais elle n'a pas employé le mot qu'il fallait. Sérieusement, elle est allée très loin. Je le sais. Vas-y, excuse-toi. Allez, excuse. Dis désolée. Ne le redis plus jamais. Désolée. Écoute, stop. Tu sais que tes parents sont morts. Hey, arrête, tu continues à parler. Jay. Sinon, aucun sens, toi. Regarde-toi. Ose encore, hein, tu vas voir. Comment tu vas? Je vais bien, maman. Sois la bienvenue. Hein? Merci. Que je te serve à manger. Maman, je n'ai pas faim. Pourquoi non? Je fais un plat délicieux pour toi. Je mangerai après. Hein? Oh, tu m'as rappelé. C'est déjà combien l'argent qu'il faut pour le frais? Maman, c'est 35 000 naira. Ça, c'est vraiment sérieux. Quand dois-tu payer ça? Avant la fin de ce trimestre. Ne t'inquiète pas, ma fille. Hein? Je suis tellement optimiste que je sais que Dieu pourvoira. Amen. Maman,
Ne t'inquiète pas pour ça. Quand il serait temps pour moi de le payer, je le ferai. Et où comptes-tu trouver de l'argent? Maman, désolée, je ne t'avais pas dit. Oh. Mais mes amis et moi avons un plan. Un plan? Oui. Quel est ce plan dont tu parles? On s'est dit de commencer la compétition scolaire des génies en herbe. Et par là, nous pouvons payer nos frais nous-mêmes. Et même pour nos sorties scolaires, oui. Ça paraît très bien, ma belle. Mais ne penses-tu pas que cela pourrait être une source de distraction pour vous toutes? Parce que vous devez beaucoup vous concentrer pour vos études. Cela va nous demander de nous trouver un appartement, oui. Parce qu'on a besoin de donner le meilleur de nous, oui. On n'a pas besoin de distraction, quelque chose comme... Oh non, arrête ça. Je ne suis pas d'accord avec toi dans ça, aïe. Ma chérie, tu es encore trop jeune pour prendre en charge d'autres affaires. Tu ne le comprends pas? Ok, si tu le dis alors, je dirais juste à Saint-Tier de m'écarter. Parce que je fais ça juste pour ton bien, pour notre bien, juste pour t'aider. Kiara, reviens. Écoute, ce n'est pas comme si je n'avais pas confiance en toi, je l'ai. C'est juste que je ne suis pas d'accord avec cette idée. Hein? Je vais juste t'aider. Ok, si tu insistes. Tu peux partir avec elle. Es-tu sérieuse? Oui. Maman, merci. Merci beaucoup. Je t'aime. Comme ça, on ne fera pas une prière? Hé, hey, ma fille, tu sais, j'ai totalement oublié. J'étais en route pour le marché. Maman, ce n'est pas sympa, non? Comment tu peux oublier la prière? Je sais. S'il te plaît, maman, dis eux plus grand, s'il te plaît. Je sais. Et la prière est la clé. Hey. Et nous devons juste prier. Je sais, ma fille. Prier sans cesse. Je ne comprends même pas comment j'ai oublié. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Ok, c'est bon. Faisons juste une petite prière avant que ça tu va. Partes. Ok, maman, laisse-moi arranger mon bonnet. On se prend la main. Au nom de Jésus. Amen. Père, nous te remercions pour aujourd'hui. Je te remercie, Père, mon Dieu. Merci de nous avoir protégés. Merci. Merci, Seigneur. Qui est chaude? Qui est chaude? Ma copine. Maman m'a envoyé quelque part. Comment vas-tu? Maman m'a envoyé d'acheter quelque chose pour elle. D'accord. Hey! As-tu parlé à ta maman pour de ce qu'on avait discuté? Je l'ai fait au... Elle avait d'abord refusé, mais après, elle a accepté. Elle m'a donné l'ordre de continuer. Es-tu sérieuse? Je te dis. La mienne aussi a accepté. J'étais d'ailleurs surprise. Elle n'a même pas demandé. Dis quoi, elle a accepté? Hey! Elle t'a cru, non? Attendons alors Jane et Sandra. Jane, la maman de Jane. Cette étrangère. Je ne crois même pas que ça va aller avec elle, je ne crois pas. Tu es avec cette chose. Alors, je ne suis pas là-haut. Ok, c'est bon. J'étais sur le point de te demander. Qu'est-ce qu'il y a? Comment tu l'as fait? Je dirais, quoi? Comment tu as fait pour convaincre ta maman? Parce que tu es la seule fille qui lui reste. C'est très simple, non? Hey, même quand je suis à la maison, tu vois mes gros habits? Je le porte et je tiens la Bible. Je prêche l'évangile et je prie chaque jour et chaque minute. Ma sœur, dernièrement, j'étais celle qui s'était réveillée. Et j'ai dit, maman, réveille-toi, on va prier. Faisons une nuit de prière. Combattons nos ennemis. Ma mère, elle était vraiment surprise. Tu es une mauvaise fille. Regarde-moi qui parle. Tu es une mauvaise fille. Je l'ai appris de toi. Je l'ai appris de toi. Qu'est-ce que tu crois? Moi, je parle, je te verrai. Je te vois plus tard, mon ami.
can do, only you can say what no man can say. Sindala popopo, hey! Only you, Jehovah, only you, Jehovah, only you can do what no man can do. Only you can say what no man can say. Only you can change every situation at all. Only you, Jehovah. Only you, Jehovah. Sois loué, mon Dieu. Dieu, tu es le Dieu puissant. Tu es un Dieu irréversible. Qui peut te défier? Personne, personne. Dieu que est la plus grand. Revienne, mon Dieu. Dieu est le plus grand. Oui. Il est le seul qui ouvre de portes et personne ne peut les fermer. Ah! Qui peut essayer? Only you, Jehovah. Hey! Dieu est le tout puissant. Salut les filles. Alors quoi de neuf? Oui, pratiquement. Nous sommes sur le point de partir. La maman de Sandra a accepté. Oh, oh mon Dieu, êtes-vous c'est sérieuse? Comme si j'attendais un nom venant d'elle. Oh mon Dieu, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Je suis heureuse pour toi. Et maintenant, nous attendons Jane. Vous savez à quoi je pense? Peut-être que Dieu n'a changé d'idée. Ah, je connais Jane. Elle ne veut pas nous trahir. Bien, je ne veux pas que cela soit réel. Si elle change d'avis, tout ce qu'on fera, c'est d'accepter sa décision. C'est tout. La voilà, elle arrive. Vas-y, donne-nous la nouvelle. Donne-nous la nouvelle. Alors, c'est quoi? Alors, comment s'est passé votre week-end, les filles? Il était compréhensif. Il était excellent. Il était impeccable. Alors, nous sommes prêtes à partir. Nous n'attendons que toi, Oya. Vas-y, dis-nous. Vite. Allons-y alors. Ah, c'est confirmé. Nous partons. Pourquoi vous n'avez point d'oreille, hein? N'est-ce pas que c'est interdit? Vas-y, soulève bien. N'est-ce pas? Hein? Qui ça, moi? Non, je parle à moi-même. Et je suis ton amie. Moi, tu verras ce que je ferai. Tu es désolée, hein? Et toi? Tu viens de dire désolée. Vous avez quand même aussi tu viens de dire désolée? Hein? Tu viens de dire que tu es désolée? Vous allez rester tu es désolée? Oui, restez là. N'osez même pas s'excuser. Oui, vous allez voir. Qu'est-ce qui se passe ici? As-tu entendu parler de la discipline du travail? Oh mon Dieu! Bien, je suis toujours une élève. Peut-être que tu dois m'enseigner. Super! La première loi dans une entreprise, c'est de respecter son travail. Ha. Et le second, c'est de rester loin des indisciplinés. Maintenant, si vous pouvez m'excuser, vous pouvez nous quitter et me laisser conduire mon gouvernement. Oh, très sage, très sage, très sage. Waouh. Maintenant que tu essaies de nous défier, chérie, nous sommes fiers de nous toi. Nous le sommes. Maintenant, avant que je ne ferme mes yeux et que je ne l'ouvre, tous les deux rentrez dans votre salle de classe. Maintenant. Et où pensez-vous aller? Rentrez dans votre salle de classe. Allons-y. Maintenant. Mais je comprends pas. Et qu'est-ce que cela veut dire? Fermez vos sales gueules. Des sales vauriens. Et toi? Une sale loquace. Vos leaders dans cette école, c'est nous. N'osez pas commettre une erreur de créer des problèmes avec nous. Parce que si vous l'osez,
vous allez regretter votre vie. Exactement. Vous allez perdre votre vie dans cette école. N'essayez même pas. Je sais. Je sais que vous, les filles, vous avez eu du pouvoir. C'est assez. Mais laissez-moi vous rappeler. Un soldat. Un soldat. Vous dites que vous avez eu le pouvoir. Quel pouvoir? C'est depuis quand déjà? Deux jours. Rappelez-moi, depuis quel jour? Que vous le punissiez. Hein? L'air demandant de s'agenouiller. Attends. En tant que qui? En tant qu'une enseignante? Tu n'as même pas honte de toi-même. Essaie d'abord de te regarder. Regarde-moi celle-là. Je m'occuperai de toi. Allons-y, oui, les filles. Au revoir, petit chéri. Ne me provoque pas, mais allons-y, pas. Allons-y. Je ne t'occupe pas de... Regarde-le. Vous avez vu ça? Vous avez vu? On verra. On verra. Tu sais pourquoi je t'appelais ici, Tara? Écoute, je n'apprécie pas la manière dont tes amis et toi vous comportez dans la classe. Je n'apprécie pas ça. Pendant que moi je donne cours, vous êtes là au téléphone. Que feront alors les autres voyants faire ça? Hein? Ils vont commencer à nous suspecter. Ce n'est pas du tout bon. Écoute, s'il te plaît, je veux que tu prennes des précautions, s'il te plaît. Je n'apprécie pas ça du tout. Je sais que toi et moi avons nos affaires. Et je sais comment je vais te coter pour les examens. Mais tu dois aussi être sérieuse pour les examens. Tu dois être sérieuse pendant le cours, s'il te plaît. Je t'ai entendu. Je parlerai avec mes amis. Tu es fâchée. Dis-moi, tu es fâchée. Je ne suis pas fâchée. Je t'ai écoutée. Nous ne dérangerons plus ta classe. Écoute. Je vais parler avec mes amis. Laisse-moi partir. Écoute. Calme-toi. J'ai dit que je t'ai écoutée. Très bien, monsieur. Pas de problème. Bye-bye. Au revoir. Oginozo, quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Quand est-ce que je vais encore te voir chez moi? Tu dis quand? Attends un peu. Tu as dit quand? Quand est-ce que tu peux me voir chez oui. toi? Tu veux me relater ton histoire de sexe ou quelque chose d'autre? Alice. Non, explique-moi. C'est bon. Non, je vais comprendre. Explique-moi, laisse-moi comprendre. Que veux-tu dire? Je ne comprends pas. Okay. C'est parce que nous voulons être un couple maintenant et tu es assez, pour assez. Me voir à tout moment. Écoute, hein? nous... Qu'est-ce qu'on ira faire chez toi? Nous pouvons parler plus tard. Non. Parlons-en maintenant. C'est quelle manière de parler comme ça, n'importe quoi. Oui, mais tu peux partir, non? C'est quoi ça, tu me dis que de bêtises, hein? Kara? Oui, je l'avais répondu. Kara, pourquoi êtes-vous inhumain, hein? Pourquoi vous avez fait ça? Allez dire que Kara et Kara couchent avec une seule personne. Dites-moi, pourquoi vous avez fait une telle chose? Et si le directeur l'apprenait? Comme étant ta mère, n'est-ce pas? Je dois connaître tes préférences, comme ta maman, n'est-ce pas? Non, comme étant ta maman, je dois connaître tes préférences. Allô? Ok, bien. Tu sais quoi? J'ai déjà prié pour tout ce qui est dans la cantine. Et c'est pour tout le monde dans cette école. Si tu as envie Elle parle aussi, de nous, oui. Si tu veux vraiment avoir un truc, va dans ma salle de classe. Aligne-toi et attends ton tour. Pas vrai? Attends d'abord. Es-tu en train indirectement de dire que je suis pauvre et moins privilégiée? De fait que yaourt est ta crème préférée et qu'en ce moment tu ne peux l'avoir, alors... C'est déjà fini. Ce qu'elle t'a demandé, personne ne va dans ma salle parler. De classe et aligne-toi. Et ce que tu as porté là comme chaussure, tu l'as fait pour nous. Hein? je vais l'enseigner une toi très bonne leçon. Si je ne sais pas où. Alors pourquoi des fraîches choses? Non, mais je l'ai rappelé seulement. Cette humiliation est en train d'aller trop loin. Nous devons faire quelque chose à propos de ça. Nous devons les affronter. C'est ça le problème. Elles sont à quatre et nous à trois. Tu sais que je peux les résoudre en quelques minutes. Tu le sais. Mais tu sais quoi? Soyons juste patientes. Parce que nous allons nous venger au moment opportun. Voyons, je suis en train de perdre ma patience. Je sais exactement ce que tu ressens. Écoute, je ressens la même chose que toi. Mais tu dois juste te calmer, ok? Sois calme. Je sais ce qu'elles veulent exactement. Elles veulent que nous dansions à leur rythme.
Alors nous ne pouvons pas faire ça. Elles veulent que nous les attaquions en premier et quand nous allons le faire, les autorités de l'école vont nous punir. Quoi? Les autorités n'ont rien à faire. Regarde, ils vont les savoir quand je vais réagir envers ces filles. S'il te plaît, calme-toi. Je comprends exactement ce que tu ressens. N'oublie pas que la vengeance est un plat qui se mange à froid. Ok? Alors tu dois te calmer. Ok, souris. Je t'ai dit des souris. Laisse-moi. Souris. Ok. Ok, te dérange pas. Ok. Mais c'est quel problème qui ne peut pas attendre jusqu'à demain? Pourquoi m'as-tu appelé si urgentement? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Chief Moy, où sont passées les filles que je t'ai envoyées? Quelles filles? Ne me pose pas une telle question. Tu sais que ces filles-là mentent comme elles respirent. Avec tout ce que nous avons fait, comment peux-tu être si cruel, Monsieur Ognier? S'il te plaît, descends, descends. La conversation est terminée. Non, non, tu ne peux pas me dire ça. Ça ne peut pas être terminé. Oui. Dis-moi ce que je veux savoir avant que je puisse envoyer les détectives. Donc, c'est un commerce? Non, ce n'est pas un commerce. Je pense que moi et toi, nous connaissons bien la différence entre commerce et promesse. Je t'ai juste promis. Tu vas payer. Tu dois. Comme je disais, la conversation est terminée. Ah, tu es juste un démon aux formes humaines. Je regrette d'avoir fait les affaires avec toi. Tu es vraiment le fils du diable. Tu n'iras pas loin. Toi aussi, tu iras en enfer. Vas-y, dépêche-toi. Oh, waouh, c'était génial. Mais tu dois me trouver quelque chose. Ah, mais j'ai déjà payé pour le service que tu m'as rendu. Mais cela ne t'empêche pas de m'acheter une autre chose, non? Ah. Sois gentil. Dis-moi, je le verse dans quelle banque? Access Bank. Ah, c'est 00963814. Ok. Je viens tout justement de l'envoyer maintenant. Merci. Ok, bye. Attends. Tu sembles être intelligente et une belle fille. Imagine que tu es toujours sur le banc de l'école, mais ton compte augmente de 100 000. La chose est que je rêve grand et je vois de grandes choses. Je te propose, que penses-tu de travailler avec moi? Vraiment? Bien sûr. Oui, je vais travailler pour toi. Eh ben, ce n'est pas un job facile, c'est très difficile. Il n'y a pas un travail qui produit l'argent qui est facile, tout est difficile. Ouais, j'aime cette réflexion. D'accord, donne-moi ton numéro. D'accord, je t'appellerai alors.
Ok, je vais attendre ton appel. Ma collaboratrice. Bye. Oui, je veux que toutes vous sachiez que la loyauté est une qualité admirable. Et si vous les filles, vous êtes loyales, nous allons rencontrer de rois et de faiseurs de rois. Et j'ai le pouvoir de faire que cela arrive. Vous les filles, vous êtes encore jeunes et belles. Et c'est vraiment acceptable. Alors, ne soyez pas pressés. Il y a des objections? Pas du tout. Jenny, tu as quelque chose à dire? Non, non, pas du tout. Elle a déjà dit tout ce que je voulais dire. Ok. Comme ça, je veux que vous sachiez officiellement que au moment où vous serez ici, si mes clients appelaient, vous allez les satisfaire au lit. Oui. C'est comme ça que nous allons commencer à travailler avec vous, les filles. Vous devez le savoir. Evil cannot do you good, only a matter of time. Be there aware, remember the wages of sin is death, one man of the world. Qu'est-ce qui s'est passé? Maman, bonsoir. Maman. Bonsoir. On est allé rendre visite. Quand tu fais ça, mieux vaut m'appeler, non? J'étais très inquiète et d'ailleurs, je partais à ton école. Mais maman, je t'avais appelé, mais tu étais injoignable. Oui, ça c'est vrai. Ma batterie était faible et mon téléphone était éteint, je me rappelle. Sois la bienvenue. Merci, comment maman. S'est passée l'école? Très bien passé. Entre et puis tu vas chercher quelque chose à manger. Ok, maman. Sois la bienvenue. Je sais exactement ce qui se passe dans ta tête, Mélissa. Sophia, pour être honnête avec toi, je souhaite qu'elle soit au petit collège, comme ça je vais très bien m'en charger d'elle. Jusqu'à quand cela va continuer? J'ai comme l'intuition que il y a une chose quelque part qui influence leur arrogance. C'est ce que nous devons trouver. Tu as raison, Sophia. Je ne connais pas leur parcours. Mais je suis sûre qu'elles ne sont pas nées avec une cuillère d'argent. Attends, Jessica. Es-tu en train d'essayer de dire qu'elles l'ont vraiment fait? C'est toi qui l'as dit. Leur manière de vivre montre qu'elles vivent de façon extravagante. Alors, très bien. Nous allons ouvrir les jeux maintenant. Nous devons finir avec ces filles. Maintenant, tu as compris, ma copine. Maintenant, attrape le poisson, vends le poisson, vends le gros poisson et fais-en beaucoup d'argent. Alors les filles, travaillons. Nous allons leur montrer que c'est nous qui dirigeons cette école. Oui, elles peuvent être nos doyennes, mais c'est nous qui gouvernons maintenant. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Tara,
Je dis, qu'est-ce qui se passe? Où sont les autres élèves? Monsieur... Je dis, où sont les autres élèves? Je ne sais pas. C'est comme s'ils n'ont pas payé leurs frais scolaires. Raison pour laquelle. Ah, les directeurs encore. Ah, bon, c'était en passant. Dites-moi, où sont vos devoirs? Les devoirs, vous dites? Oui. Où sont vos devoirs? Vous nous avez donné les devoirs? Excuse-moi, qu'est-ce que tu dis? Je dis, où sont vos devoirs? Ah, moi, j'ai oublié mon devoir à la maison. Oh, tu avais même fait les tiens. Non. N'aie pas peur. Je ne m'en souviens même plus, je t'en prie. Ça peut être de la semaine dernière. Par hasard, c'est pas ce que Jen était en train de parler. Ah, elle disait un truc du genre, mais je n'y avais pas prêté attention. Regarde ce que tu n'as pas fait. Ah oui, c'est ça, parce qu'il m'a aussi pas fait. Monsieur, hey. Mais qu'est-ce qu'on a encore fait? excusez-moi, assez. Pourquoi fais-tu cette tête? À quoi est-ce que tu penses? Écoutez, mes chéris, j'étais en train de beaucoup réfléchir. Il y a tant de questions qui me viennent en tête. Genre, comment est-ce que nous sommes arrivés à ce point? Comment sommes-nous arrivés? Ne voyez-vous pas que c'est dangereux? Je ne comprends pas. Vas-y, explique bien. Ok, écoutez-moi. Nous ne sommes que des élèves qui sont en année terminale. Hein? Maintenant, nous couchons avec plusieurs hommes à cause d'argent. Nous avons de très grandes marques de téléphones. Ce sont des téléphones que les femmes d'affaires utilisent. On ne s'inquiète même pas d'autres personnes. On ne voit que notre intérêt. Je ne comprends pas. Nous ne faisons que des atrocités. Il arrive des fois où nous ne partons pas à l'école. On ne participe pas au cours. Nous couchons même avec nos professeurs. Donnez-moi des raisons, non? Comment sommes-nous arrivés là, mes chéris? Et c'est quoi exactement ta question? Comment sommes-nous arrivés là? J'aurais vraiment aimé répondre à ta question. Mais ta question est rhétorique. Écoute, il serait souhaitable pour toi de choisir si tu veux être là-bas ou ici. Réfléchis. Quand nous étions là-bas, personne ne nous respectait. Personne n'avait du respect envers nous. On souffrait même pour trouver de quoi manger. On ne pouvait même pas s'habiller comme les filles de notre âge. Mais ici, tout le monde nous respecte. Les gens nous envient. Ma belle, je choisirais mille fois de rester ici, à la place de rester là-bas en menant une vie misérable. Je ne sais pas comment je suis arrivée à ce niveau, mais c'est ici que je veux rester. Jusque-là, vous ne me dites Allez, rien. Allez, arrête-moi ça. Serveur, quand est-ce que nous arrêterons tout ça? Pourquoi tu traînes là-bas, s'il te plaît? Voyez-moi ces filles, hein? Il est temps, allons-y, dégageons d'ici. Allons-y, Fikar, allons-y vite. Eh, hey, ma sœur, j'aime celle-ci. Hein? On se croise là où on s'était vu la fois passée. Hein? Je suis sûr que je vais apprécier. Cette fois-ci, ce n'est pas comme les autres. Et voilà pourquoi je les vends. Ah. Et vous devez normalement acheter. À vendre? Qui a dit qu'on a cet argent? Même ce qu'on compte trouver là, ça doit être une maison moins chère. On n'habitera pas ici. C'est notre sœur qu'on essaie. Oui, c'est ça. Il n'y a rien à craindre. Pour ça, vous devez donner les loyers. Il faut que vous donnez les loyers. Je suis sûr que vous allez payer. D'accord. C'est vraiment magnifique. Elles vont aussi payer. Elles vont payer. Oui, c'est bon. On l'a vraiment apprécié pour notre sœur. Alors, tu vas juste nous aider à parler avec la personne qui est restée ici avant. Que nous voulons acheter cette parcelle. Oui. Okay. On va l'acheter. Si tu veux vendre, c'est comme on regarde les prix. Si c'est raisonnable, on va l'acheter. Ok. À ce qui concerne la maison, nous paierons le loyer demain. Alors appelle juste le propriétaire. Ok, je veux que vous avez les propriétaires ce soir. Mais on a apprécié la maison pour notre essai. D'accord, on a très bien. C'est bon. C'est vraiment joli. C'est bon. Je vais t'appeler. Allons-y. Ok. Bye bye.
Kara, ma fille. Maman. Sais-tu pourquoi je permets que tu travailles avec tes amis sur le plan que vous aviez dit? Parce que tu me fais confiance. Bien. Je te fais confiance parce que je sais que quand tu iras là-bas, tu ne vas pas te prostituer. Maman, moi, comme ça, que Dieu m'anime. Le feu du Saint-Esprit, ça n'arrivera pas. D'ailleurs, je serai la lumière brillante qui va me ramener tout ce que j'ai perdu. Exactement. Maman, fais-moi confiance, j'aime non? ça. Ah. Quand tu vas là-bas, ne te laisse pas distraire. Je ne t'ai pas permise pour que tu ailles faire de n'importe quoi là-bas, mais pour être je concentrée. Je vais être focus. Je vais être focus dans mes études. Je vais aussi être focus en enseignant les hommes nés de nouveau. Pour faire l'argent, parce que c'est ça le but, les buts principaux. Oui. Parce qu'ils doivent les apprendre avec l'argent. Est-ce que tu me comprends? Ça. Tu as raison. Une autre chose, maman. Mes amis et moi, nous planifions d'ouvrir une école de fraternité. Il faut nous laisser entre les mains de Dieu. Hey! Maman, est-ce que tu sais que Dieu sera vraiment content de moi? Exactement. Dieu sera aussi content de mes amis. Hey! Parce que nous gagnons des âmes pour lui. Oh, ma imagine, fille. Maman, tu peux imaginer? Nous les enseignons quelques morales concernant Dieu. Ils vont aussi gagner leurs âmes pour hey! Dieu. Hey! Ah, ma fille, je suis vraiment heureuse d'entendre ça. Et moi, ta mère, je suis fière de toi. Oui, maman, je suis vraiment heureuse. Je veux te rendre fière, non? Je suis contente d'entendre ça. Je ne suis pas comme les jeunes filles d'aujourd'hui qui voient tout. Les yeux sont comme ça, juste comme ça. Quand je vais arriver là-bas, j'aurai des leçons morales. Mm-hmm. Et en retour, je pars aussi les enseigner. Ainsi dit l'Éternel. Je dois les apprendre aussi que vous ne pouvez pas forniquer sans être oui, marié. Exactement. Vous ne pouvez pas forniquer juste oh, comme ma ça. Fille. Parce que Dieu sera en colère contre vous. Je suis tellement contente. Je dois faire ce travail pour Dieu. Oh. Je dois vraiment le faire. Oh. Je dois ma fille, le faire. Je suis très contente de t'entendre dire ça. Merci. Et je prie le Seigneur Dieu. C'est qu'il te garde et vous protège toutes. Amen. Tu l'as dit, maman. Je le reçois. Je suis contente. Très contente. Prends soin de toi, maman. Fais bonne route, ma fille. Kara, je crois que nous devons l'appeler. Désolée les filles, mais je ne pense pas que j'irai avec vous à l'école aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? J'ai une urgence. Quoi? Rien du tout. Toutefois, on se revoit un peu plus tard la nuit, ok? D'accord. D'accord. Et n'oublie pas de nous donner notre pourcentage. Une oui. pauvre fille. Tu crois que nous sommes les marchandises? Bye. On attend notre pourcentage. Ton ami, n'est-ce pas? Jenny. Qu'est-ce que tu veux? Jenny, tu sais ce que je fais. J'ai besoin de ton cœur. Écoute, je ne saurais pas te donner mon cœur. Si je te le donne, comment je vais vivre? Jenny, lorsque je te dis je t'aime, je le pense vraiment. Juste donne-moi une chance. Ok, j'ai très bien compris. Tu es un bon garçon, Chooks. Je le sais très bien. Tu es le meilleur élève de ma classe. Je te conseillerais de te concentrer à tes études. Et alors tu dois chercher une fille qui va t'accompagner parce que tu connais très bien le genre de vie que je mène. Je sais ce que tu fais pour payer tes frais scolaires. On pourrait l'affronter ensemble. Juste donne-moi une chance. Chooks, reste loin de moi. Chas. Bien, ton petit ami s'intéresse à moi.
Tu peux causer avec lui. Ma chérie, ce n'est pas ce que tu penses. Je peux tout t'expliquer, d'accord? S'il te plaît. Et que peux-tu m'expliquer? Elle m'a proposé une offre. Elle m'a proposé une offre. Elle m'a offert 50 000 lira juste pour l'embrasser. Je suis vraiment désolé. Tu l'as fait? Désolé. Désolé, s'il te plaît. S'il te plaît. Je te déteste. Eh bien, s'il te plaît, s'il te plaît. Chérie. Qu'est-ce qui se passe? J'ai juste rencontré un problème. Je ne comprends pas. De quoi est-ce que tu parles? Toi! Comment tu as osé? Laisse-moi. C'est quoi ça? Laisse-moi, mauvais garçon. Mais toi, Ojo, qu'est-ce qu'il y a avec toi? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qu'est-ce qu'il y a avec toi? Je te déteste. Bébé, calme-toi. Bébé, calme-toi. Ne le suis pas. Ne le suis pas, bébé. Bébé, ne le suis pas. Des idiotes. Regardez. Qu'est-ce qui te prend? C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a? Laisse-les partir. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ça? As-tu vraiment vu tout ça? Les idiotes. Laisse-moi. Il faut me demander. Je vais t'expliquer. Cette fille. Ah, quoi? Qu'est-ce qu'il y a avec toi? Attends, je suis là. Je les attends. Je suis là. Est-ce que tu as confiance à ton amie? J'ai trop confiance en elle. Ce n'est pas le temps de la confiance. Tu es sûr qu'elle peut faire ce job avec nous? Cynthia est une lionne. Elle peut bien le faire. C'est juste. Ah, c'est d'accord alors. Prochainement, tu l'amènes dans le club. Oui. Qu'est-ce que tu as décidé? Je suis d'accord. Bien. Parfait. Tu sais, ceci est la meilleure décision qu'on a jamais prise. Bien, alors concernant Jane et Sandra. Hein? Celles-là, elles ne sont pas capables de le faire. Oublie-les. Et une autre chose, tu dois couper tous les ponts que tu as avec Jane. Je veux dire, elle nous a beaucoup utilisés. Ça c'est vrai et c'est aussi une bonne idée. Tu vois ce que je vois? Mes chéris, nous avons examen demain. Vous n'allez pas étudier? Et qu'est-ce que tu veux qu'on fasse quand c'est-tu ou nous-mêmes? Écoute un peu. Tu sais qu'on travaille trop et pour cela, on n'a pas droit au repos? Je sais, mais nous devons aller avec quelque chose en tête. Je pense que Jay a raison. Elle n'a pas raison. Voyons les filles. On a couché avec tout le professeur de notre salle pour avoir de bons résultats. Alors à quoi sert la lecture? S'il vous plaît, oh, j'ai déjà payé mes droits. Ha! Chief. C'est vrai? D'accord, je serai là. Laisse-moi m'apprêter. Luffy, devinez qui s'est trouvé un client. Ma chérie, je t'en prie, tu peux faire la lecture pour nous. C'est tout ce que tu aimes. Toutefois, vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez. Bien sûr, je pense que tu seras toute seule. Parce que tout le monde sort déjà. J'ai un rendez-vous auquel je vais répondre maintenant. Excuse-moi. C'est pareil avec moi. Ben, toutefois, je n'ai pas à me plaindre. Je ne sais même plus quoi dire. Je te vois plus tard.
Allô, boss. Ouais, j'allais prendre quelque chose pour manger. Ok. J'arrive tout de suite là. Très bientôt. Nerveuse. Pourquoi? Demain, nous dirons au revoir aux humanités. C'est-à-dire, nous devons affronter la vie universitaire. Écoute, il n'y a pas de raison de s'inquiéter là. Demain, nous irons comme tout autre jour. Exactement. Il n'y a rien du tout. Excusez-moi les filles, vous ne m'avez pas donné mon pourcentage. Quel pourcentage je suis en train de parler? Vous avez toutes gagné hier soir. Et je sais que vos clients vous avaient donné de l'argent. Alors donnez-moi mon pourcentage. Oh, collecteur d'impôts. Dis-moi, qu'est-ce qui te pousse à croire que tu mérites un pourcentage? Quoi? Parce que j'étais à la maison en train de prendre soin. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? C'est bien pour toi. Personne ne t'avait obligé. Inugo, tu ne veux pas aller travailler, non? N'est-ce pas? Tu dis que ce n'est pas bien et c'est pour moi que c'est normal. Je pars travailler et puis je t'amène l'argent. Tu n'as jamais été sérieuse. Là, c'est sûr. Tu n'as jamais été prête pour la vie. Alors, comment va ta chérie? Patron. Oh, s'il te plaît, je te reviens. Très bien, merci. Ouais, boss, je suis là. Unaguno. Boss. Vas-y, tiens ça. Ok, boss. Toute information dont tu as besoin pour cette opération se trouve là. Regarde-le bien. Et écoute-moi bien, je ne veux aucune erreur. Ne faites pas d'erreur. Tu comprends que si nous faisons une erreur, ça ne sera pas intéressant pour nous. Bien sûr. Rassure-toi de bien lire les informations. Oui, monsieur. Si tu vois qu'il y a une information là-bas que tu ne comprends pas, n'hésite pas de me le faire savoir le plus vite possible. Ouais, d'accord, boss. Oui, très bien. Hey. Salut. Oh. Salut. 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 So they are of their way.
Bonjour. Alors parlons du business. Parle-nous en détail. As-tu en tête le montant qui peut coûter le billet de la ville jusqu'à l'étranger? Tout ça sera pris par et comment? Tous ces pognons. Donc, on doit partir pour prendre l'argent. Et qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Bon, nous ne sommes pas supposés à poser des questions. Hein? On est là juste pour faire notre job. Et comment est-ce qu'on peut les faire ces informations? Il y a beaucoup de pognons qui viennent du secrétaire de l'État. Ça se fait aujourd'hui et après-demain. C'est combien tout ça? Quelque chose d'environ des 8 millions de naira. Et pour notre pourcentage? 20%. C'est trop peu. Êtes-vous intéressé ou pas? Et tu as déjà discuté avec qui? Bien sûr qu'on aura besoin de l'équipe pour apporter la somme. Ils ont besoin des gens parce que là-bas, il n'y a pas de sécurité. Bon, je veux savoir, vous y êtes ou pas? Regardez qui est là. Là, ma chérie. Ah, bienvenue. Excuse-moi, Wekara et Cynthia. Je ne sais pas, elle doit sûrement sortir. Pourquoi cherches-tu toujours à savoir où elle se trouve? Écoute, tu dois remarquer que ces deux filles ont changé. Tout ce qu'elles font, c'est en cachette. Elles ne disent plus rien à quelqu'un ici. Jay, je t'avais demandé d'arrêter ce que tu fais. Arrête, ça, c'est pas bien. Quand tu étais sortie le matin, est-ce que tu avais dit à quelqu'un là où tu partais? J'étais partie voir Chooks. C'est exactement ce que je suis en train de dire. Il se pourrait qu'elles sont parties voir leur Chooks. C'est quoi ton problème? Peux-tu arrêter pour l'amour du ciel de tout suspecter? Sandra, écoute, ça fait très longtemps que nous sommes amis. Et nous faisons tout dans cette maison ensemble. Alors pourquoi est-ce que certaines commencent à avoir des secrets? Jay, Cynthia et Clara partagent la même chambre. Toi et moi partageons aussi une chambre. C'est pour ça que cela apparaît, qu'elles sont plus proches et que toi et moi aussi. Est-ce que tu comprends cela? Oui, je comprends, tu as gagné. Merci. Tu as gagné. Comment va Chux? Il va bien. Excuse-moi, nous avons rompu. Vous avez rompu tous les deux ou soit tu l'as laissé tomber? D'une autre manière, la relation a pris fin. Méchante fille. J'étais en train de penser. À propos de quoi? Pourquoi je n'ai pas amené Jen et Sandra dans cette affaire? En fait, elles sont nos amies. Pourquoi? Ma chérie, je ne veux pas que tu me regardes comme ça. Pourquoi tu me regardes avec de telles yeux? Je disais, elles sont nos amies et elles sont censées d'être... Cynthia, je t'en supplie. De quoi est-ce que tu parles? Qu'est-ce qu'il y a? Ok, bien, bien. Je sais qu'on faisait la prostitution pour qu'on paye nos frais scolaires, oui. Bien sûr qu'on a fait tant de mauvaises choses. Faire n'importe quoi juste pour avoir l'argent. Et si on disait tout aux filles et que ces gens ici nous écartent? Oui, ils vont nous écarter. On risque de se séparer. Chérie, je ne suis pas prête pour ça. Oh, c'est quoi ça? Es-tu sérieuse? Oui, non. Tu vas amener Jane. Jane, on n'a pas d'ailleurs le même âge. On n'est pas du tout fait pour être ensemble. Si tu disais au moins Sandra, je peux comprendre, je peux les gérer. Jane, ah là non, je ne peux pas. Oh. S'il te plaît, oh. Jane, je ne pense même pas que Jane aurait pu faire une telle chose pour nous. Tu ne regardes même pas les niveaux. Nous ne sommes pas de son genre. Ne gâche pas tout. Je t'en supplie. Oh. Je te donne juste mon opinion. Faisons nos choses, juste nous deux, je t'en supplie. Comme on le faisait avant, juste toi et moi. Si on le fait que moi et toi, personne ne fera le bêtise. Hein? Essaie de réfléchir. Cette vie n'est pas facile, oh.
Chacun doit prendre sa propre charge. Sauf qui suit ta vie. Oh. Arrête de penser à d'autres personnes qui ne pensent même pas à toi. Je crois que tu allais même me parler de Sandra que de Jane. Est-ce qu'il te plaît? Ne me parle plus de ça. Oh. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Cynthia. Cynthia, on a dû faire des choses terribles dans le passé. Et nous continuons toujours à le faire. Qu'est-ce que tu dis? Si nous réussissons dans cette affaire, je vais voyager. Oui, c'est 30% de 1,8 billion de naira. C'est 400 000 naira. Cet argent est assez suffisant pour nous de commencer une nouvelle vie. Qu'est-ce que t'en dis? Tu as raison. Tu sais, dans la vie, il faut comprendre d'autres choses. Parfois, ce qu'on prévoit, ce n'est pas ce qui arrive nécessairement. Et je veux aussi que tu comprennes que la détermination est la clé de tout. Et nous devons être déterminés. Allô? Comment vas-tu? Je vais bien. Oui, je suis à la maison. Oh, je crois que je viendrai le soir. Allez, je ne te fais pas marcher. Hein? Ok, parce que c'est toi, donne-moi 40 000. Non. Je ne peux pas descendre aussi bas. Tu sais ce que 10 000 veut dire? Non, je ne le ferai pas. Ok. Chambre 25. Ok. Je te passe mon numéro de compte tout de suite. Bye. Bébé, allons-y. Tu te moques de moi ou quoi? Même pas. Je t'avais déjà expliqué ce que nous allons faire. Nous voulons vraiment marcher avec la réussite. Tu as bien fait. Prions. Prions. Au nom de Jésus. Amen. Je recommande notre chemin d'aller. Ma chérie. Mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi est-ce que tout le monde est sorti? Parce que tout simplement, nous avons de clients. Oh, qu'est-ce que tu fais là? Rien du tout, mais je pense que je dois aussi sortir comme les autres. Oh, tu as intérêt. Waouh, ne fais pas des bêtises, oh. Mais tu sais très bien que je le ferai.
m'asseoir avec vous? Oui, bien sûr. Ah, merci. Je m'appelle Fred. Oh, oui. Moi c'est Jane. Jane, ouais. Un joli prénom pour une jolie fille. Merci. Tu sais, c'est difficile maintenant de voir une jeune fille s'intéresser de la politique. Oh, ouais. Toutefois, je voulais juste m'asseoir ici pour observer ce qui se passe dans le pays. Tu comprends, je pense. C'est quoi le problème ici? Mon gars, tu n'es pas un mécanicien, s'il te plaît. Oh. J'ai un diplôme de master dans ce domaine. Je peux bien le faire. Laissez-moi vous aider. Oui, madame. Je peux très quittez bien là. Le faire. Êtes-vous les mécaniciens ou quoi? Quittez-la. Oui, mais laissez-moi vous aider. Vous êtes seul ou vous êtes des criminels. Madame, je peux vous aider. Oh, gars, dégage du savant que je tiens cette balle. S'il vous plaît, désolé. Hein? Non, tu penses que je ne veux pas mourir, avec s'il vous toi? Plaît. Tu penses s'il vous que plaît, nous plaisantons avec mourir. Toi? Je t'ai dit de t'en aller. S'il vous plaît, je vais t'occuper de tes affaires. On n'a pas besoin de toi ici. Je ne veux pas mourir, s'il vous plaît. Tu es malade, toi. Tu veux mourir ou quoi? Ouais, je vais t'aider à mourir. Tu demandes à ton Dieu qu'il t'enseigne prochainement de ne pas te mêler dans nos business. Merci d'avoir embelli ma journée. Sérieusement, c'est moi qui dois plutôt vous remercier. C'est très bien. Je suis content de faire connaissance avec vous. Alors, je suis flattée. Merci énormément. Ça ne vous dérangerait pas de me rejoindre à l'hôtel demain? Est-ce possible? Non, je ne pense pas que ça sera possible. Je ne crois pas que je pourrais le faire. Alors pourquoi? Fred, s'il vous plaît, on vient à peine de se connaître. On doit aller d'une étape à une autre, s'il vous plaît. C'est très bien, alors on aura une raison de nous connaître, nous tous. Comme tu vois, il y a certaines personnes qu'on croise dans la vie, et puis tu aimes les voir encore. Écoutez, je vous comprends parfaitement bien, mais je pense que nous devons aller petit à petit. Je verrai ce que je pourrais faire à propos, mais pour l'instant, je ne promets rien. C'est très bien. Comme vous le dites, je serai tellement heureux de vous voir encore. Je ferai de mon mieux. Très bien. Merci. Ok, c'est bon. Quoi? Quoi? Comment ça? Je n'ai rien dit à ce que je sache. Dis-moi, raconte. Qui est ce bel homme qui est venu te déposer? Rien de grave. On s'est juste présenté mutuellement. Il m'a dit qu'il s'appelle Fred et qu'il provient des États-Unis. Et je lui ai dit que je m'appelle Jane. Il n'était pas question d'intimité dans notre conversation. Il m'avait acheté à manger, il m'a raccompagnée et c'est tout. Et? Tu n'as pas encore dit ce que je vais entendre. Tout ce que tu dis qu'on s'est présenté. Ok, attends. Tu t'es présenté, tu as dit que tu l'as croisé au restaurant lorsqu'il était parti prendre le petit-déj. Vous avez discuté. Et si je ne me trompe pas, c'est lui qui a commencé la conversation parce que toi, tu ne le feras pas. Non. Vous avez commencé à discuter. S'il entamait cette discussion, cela veut dire qu'il a une idée derrière la tête. Excuse-moi. Alors, je suis certaine qu'il t'a demandé un truc. Quelle a été ta réponse, dis-moi? Rien de grave, comme je venais à peine de le dire. C'était juste que nous avions parlé de tout ce qui se passe ici au pays. Tu comprends? Et il m'a demandé si je pourrais passer dans son hôtel où il est logé.
Je ne sais pas pourquoi est-ce que tu es si heureuse. Alors, qu'as-tu dit? Tu iras le voir? Excuse-moi, je n'ai fait aucune promesse à ce sujet. Je suis en train d'y réfléchir. Je ne sais pas si j'irai ou pas. Je ne faisais que contempler. Je te demande pardon? Tu ne faisais que contempler? C'est comme si tu n'as pas remarqué ce qui s'est présenté devant toi. Tu ne l'as pas réalisé. Parce que si tu l'avais remarqué, je ne vois pas pourquoi tu laisserais partir ce bel homme qui s'est approché de toi sans aller juste comme ça, sous prétexte que tu es en train de contempler. T'inquiète pas, tu vois ces petites filles qui poussent comme des champignons, elles vont te ravir le cadeau que Dieu t'a servi sur un plateau d'or. T'inquiète ma chérie, j'en prendrai soin. Oh, si tu n'es pas intéressée, tu peux toujours me le dire. Ça ne sera pas le cas, ok? Mounougou, je hais les mauvaises nouvelles. Je hais les mauvaises nouvelles. Désolé, hein? Boss. Comment peux-tu me décevoir de cette manière? J'ai réuni toutes les informations et toutes les ressources possibles pour que cette opération nous réussisse. Désolé, boss. On l'a pas vu venir. Nous avons tout préparé comme possible pour que tout se passe mieux, mais boss, on l'a pas vu venir. Vraiment, je suis désolé. Vraiment, boss. Et où est cet idiot? Je l'ai tué. Bon, d'accord. Tu vas garder tes hommes en stand-by. Je vais renégocier pour savoir où ils ont gardé l'argent. Nous allons encore frapper. D'accord. Et s'il te plaît, Bruno, cette fois-ci, l'échec n'est pas du tout une option. S'il te plaît. Oui, boss. Bienvenue. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez l'air désespéré. On a passé une mauvaise journée. Et la nourriture est à l'intérieur. Êtes-vous sûr que ça va? Ah, Jane, nous demandons d'abord la nourriture. On a faim, non? Qu'est-ce qu'il y a? Bien, nous allons bien. Pas, on a juste faim. Ne vous inquiétez pas. Où est-ce que vous allez? On fait juste un tour ici. D'accord. Es-tu sûr que oui, tout va bien? Oui, tout va bien. Êtes-vous sûr? Soyez prudent, toi. Tu sais quoi? Je regrette d'avoir participé dans cette journée. Ah, mon Dieu. Ce n'est pas de ta faute, Cynthia. Ce n'est pas de ta faute. Je ne sais pas. Cet homme a gâché tous nos plans. Hey! Mais je suis contente qu'il ait ce qu'il a mérité. N'importe quoi. 2 millions naira. Clara, nous parlons des 2 millions naira. Oui, je comprends. Mais il n'y a rien qu'on puisse faire. Rien du tout. L'argent est parti. Tu sais bien que j'étais contre ces choses. Et maintenant, rien ne marche. Cynthia, tu dois te ressaisir. S'il te plaît. Je te comprends. Mais Cynthia, tu dois te calmer. Ce qui est arrivé est arrivé. Tu ne peux pas te tuer toi-même. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Tu sais quoi? Parlons de ça demain. Pour le moment, je dois reposer ma tête. Je n'arrive plus à réfléchir. S'il te plaît, je dois vraiment me reposer. Une autre chose. Je pense que nous devons parler de ça demain avec Sandra et Jane. Oui, c'est ça. Ça, c'est une bonne idée. Nous devons toujours partager avec elle pour que nous soyons ensemble. S'il te plaît, dormons. Ah, mon Dieu. Ma chérie, tu n'as rien remarqué? Comme quoi? Je pense qu'il y a quelque chose que Clara et Cynthia nous cachent. Je sens qu'il y a quelque chose. Alors? Mais toi aussi, ne vois-tu pas comment est-ce qu'elles sont très désespérées? Il doit sûrement avoir un problème. N'as-tu donc pas entendu ce que Clara a dit? Elles ont passé une très sale journée avec leurs clients. Que veux-tu savoir d'autre? Je ne sais pas. Tu devais bien l'observer lorsqu'elles étaient rentrées. Jay, il y a un adage que mon père avait l'habitude de le dire à mon grand frère quand j'étais encore petite. Cette curiosité que tu possèdes me fait beaucoup penser à ça. Et c'est quoi? Il disait, quand tu cherches un lézard, hein,
tu finiras par trouver un crocodile. Ça veut dire quoi? Ben, peu importe ce que c'est, je pense que je dois leur accorder une réponse. Je ne comprends plus ce qui se passe dans cette maison. Je suis vraiment troublée. Oh, regarde ça. Regarde, allez. Peux-tu nous parler à propos du gros poisson que tu as attrapé aujourd'hui? Bien. C'est tellement miraculeux, mes chers. Vas-y, raconte-nous. Eve est tombée amoureuse. Ça, c'est vraiment très ridicule. Comment? T'as-t-il dit qu'il est tombé amoureux de toi ou... Ou quoi? Bien, s'il a besoin de tomber rapidement amoureux de moi. Mais malheureusement pour lui, le seul langage que je comprends, c'est l'argent. Ego. Ego. L'argent. Mais l'argent. Tu ne penses pas juste de jouer avec lui, gaspiller son argent et le laisser? Je sais que les choses se sont passées très vite entre nous, mais je t'aime pour de vrai. Kevin, je suis en relation avec toi, mais c'est juste que je n'ai pas vraiment des sentiments pour toi. Pourquoi? Tu sais, oublions juste ce qui s'est passé entre nous. Faisons comme si rien n'était. Cynthia, je ne peux pas. Je t'aime et toi dis que tu m'aimes aussi. C'est un peu compliqué. Tu sais quoi, est-ce que tu peux me faire confiance? Kevin, accompagne-moi à la maison. Franck, j'ai remarqué que tu n'es pas content parce que je n'avais pas considéré ton conseil. Bien, je veux que tu comprennes que ne pas suivre ton conseil ne signifie pas que je n'y avais pas donné de la valeur. Bon, Calvin, bon, j'ai aucun problème de la manière dont tu veux vivre ta vie. C'est ta vie, donc tu peux la vivre librement. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est notre job. Ok, mais mon instinct me dit qu'il y a vraiment quelque chose avec cette fille. Je veux dire, il se pourrait qu'à cas d'urgence, toi, t'es toujours avec elle. Comprends, tu connais notre job et tu sais comment ça fonctionne. Mon cher, la vérité est que j'aime cette fille. Je l'aime. Calvin essaie un peu de me tenir le coup, en fait. Ok, on doit tenir le coup, tu sais bien. Ne rajoute pas l'amour encore, s'il te plaît. Je t'en supplie. C'est bon, je verrai ça. Allons-y. T'es sûr? Je veux bien, allons-y. L'amoureux que tu es. Vraiment? Oh, te voilà. Bonjour, Fred. Bonjour. Tu es tellement belle. Merci énormément. Avant que nous ne puissions partir, je te dis quelque chose. On peut aller et puis causer en cours de route, là, on va Fred, bien parler. Non, non, non. Si je ne le dis pas maintenant, je veux perdre mon courage. Je t'écoute. Écoute, Fred, j'ai fait tant de choses horribles dans mon passé. Je te dis très horribles. Les choses que les gens ne peuvent même pas accepter d'entendre. Et je ne suis pas fière de ça. Tu vois, tout le monde a un passé. Même les gens qui sont autour de nous, ils ont aussi des mauvaises choses qu'ils ont eu à faire. Fred, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas, je suis une prostituée. Je couche avec les hommes pour l'argent, c'est ce que je fais dans la vie. Tu étais une prostituée. Pas maintenant. Quoi? Oui. Peut-être que je te connais plus que tu ne le penses. Tu ne me connais pas. Oui, alors mettons-nous en relation d'abord. Bébé, j'aimerais te dire quelque chose.
Ok, qu'est-ce que c'est? Tu dois me promettre que ça restera entre nous et que tu ne diras pas une autre personne. Je te le promets. Es-tu sûre? Bouge, Rosie. Ne crie pas, calme-toi. Comment l'as-tu obtenu? Bien, Fred m'a envoyé cet argent pour commencer un business. Oh, je suis très contente pour toi. Oh, merci. Oh, calme-toi. Je te dis de ne le dire à personne. Oh, je ne le dirai à personne. Allez, félicitations. Chut. Alors, est-ce que je peux mettre ma tête sur tes genoux? Oh, bien. Oh, mon Dieu, je suis très contente. Oh Dieu. C'est ici à quoi je pense? Non. Tu sais, on s'est décidé de faire beaucoup de choses si cette affaire est ici. Si. Mais on ne l'avait pas fait pour les cas contraires. Tu as raison. Mais je pense qu'à ce point, ce que nous devons faire est d'avoir un peu de patience jusqu'à ce qu'on va découvrir qui avait pris cet argent. Je vais te proposer ceci. Parce que je commence à avoir peur. Je ne sais même plus comment. Non! Cynthia, tu ne peux pas dire ça. Respire. Calme-toi, ok? Je te promets qu'après cette opération, nous devons renoncer ensemble. Je commence à avoir peur. Je commence à perdre le vrai sens de la vie. Oh, mais qui est-ce que je vois? Comment a été ta journée, ma chérie? Bien. Comment a été la tienne? Tu ne fais que rire. Oui, ça va, très bien. Ben, j'aimerais que nous puissions parler de quelque chose. Ok. Écoute, ma chérie, tu sais, depuis que mes parents sont morts, je vous ai croisés depuis l'école primaire jusqu'à ce que nous avons commencé notre business de prostitution. Tu me comprends parfaitement bien. Alors, je peux dire qu'il est temps pour moi d'arrêter ce genre de vie et me concentrer à autre chose. Partant de l'argent que Fred m'a donné, je pense que je dois commencer un business ou je ne sais quoi. Ma chérie, je suis d'accord avec toi. Je comprends. Moi aussi, je pensais dans cette direction. Je me disais que je peux moi aussi débuter un petit business histoire de changer de vie. Waouh, je suis très contente que tu penses aussi comme moi. Oui. J'y pensais aussi, mais je ne savais pas comment est-ce que je pouvais le commencer. Tu comprends, non? Oui, exactement, la même page. Oui. Merci beaucoup. Oh, ma chérie. J'ai faim. Est-ce que le déjeuner est prêt? Ok, je pense que tu dois aller dans la cuisine et voir ce que tu peux faire. C'est tout. Je pense qu'elle est sortie. Jen, je vais te parler. Ok, je t'écoute. Tu sais, ton attitude ces derniers temps montre comme si tu as un problème. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Je ne comprends rien. Je disais, tu n'es plus active. Je ne te sens plus active. Tu as l'air occupée avec ton nouveau monsieur. Cynthia, sérieusement, je ne sais pas ce que je ressens pour lui. J'ai compris. Alors, je n'ai jamais été en relation autrefois. C'est pourquoi ça m'embête un peu. Prodigue-moi des conseils, s'il te plaît. Parce qu'apparemment, je me sens comme si je suis entre l'enfer et le ciel. Comment? Je peux juste te dire que tu dois écouter ton cœur et tu verras la raison d'aimer. Jen, tu les connais bien. Tu es dans ça. Nous étions des prostituées. Mais ce n'est pas facile de faire tout ça. Mon nouveau professeur court derrière moi et je vais lui donner la chance.
Écoute, Cynthia, la seule chose que je peux te dire est que tu dois écouter ton cœur. Suis ton cœur. C'est tout ce que je peux te dire. Bien, je crois que ça ne sera pas facile. Vas-y, essaye juste. Ok? Dis quelque chose. Je vais arrêter. Tu ne peux pas t'arrêter là. L'équipe ne va pas accepter cela. Tu n'as pas à me dire comment est-ce que je peux conduire ma vie. Cynthia, continue avec cette dernière opération. Et si quelque chose de mal nous arrivait? Cynthia, on a toujours eu à courir de risques. Et rien de mal nous est déjà arrivé. J'ai peur. Tu as toutes les raisons d'avoir peur, je te comprends. Mais nos plans qu'on fait d'habitude ne nous ont jamais fait échouer. Alors s'il te plaît, je t'en supplie, essayons avec cette dernière opération. Je te promets qu'on en finira une fois pour toutes. Qu'est-ce que t'en dis? Je ne sais pas, laisse-moi d'abord me reposer. Où est Cynthia? Cynthia essaye d'abandonner. Faire quoi? Tu m'as entendu. C'est vraiment très vulnérable de perdre l'un de nous en ce moment. Est-ce que tu as essayé de parler avec elle? Je l'ai fait. Mais elle ne veut même pas m'écouter. Ça veut dire qu'on doit essayer de la convaincre d'une manière très différente. Est-ce que tu vas bien? Kevin, non. Comment? Qu'est-ce qu'il y a? Je perds. Ma vie est en danger. Kevin, après avoir fait tout ce qu'on a fait dans le passé... Si, Cynthia! Cynthia! Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. On l'a tiré dessus. Cynthia! Cynthia! Pourquoi? Pourquoi? Evil cannot do you. Wages of sin is death, one and of the world. There is no repentance in the grave, no repentance in the grave. Calvin, ça commence à sembler très insensé. Tu dois franchement l'oublier. Comment tu peux oublier notre job? Elle savait qu'elle était en danger. Elle voulait déjà quitter. Mon Dieu. Mais pourquoi je n'ai pas vu ça venir? Pourquoi? Tu sais quoi? Tu ne pourrais pas aussi faire quelque chose. Arrête de t'inquiéter. Allons-y, mon gars. Je le jure devant Dieu que je les ferai tous tomber. Je vais les tuer. Tous. Arrête de déclarer la vengeance pour quelque chose que tu ne connais pas la raison. Donc, allons-y, mon gars. Je quitte cette maison demain matin. Pourquoi?
Tu ne peux pas partir? Parce que je ne me sens plus en sécurité ici. Ma chère amie, tu dois savoir qu'aucun endroit dans ces pays n'est sécurisé, aucun. S'il te plaît, ne me demande pas de rester, parce que je ne le ferai pas. Jay, j'ai pas envie de te perdre. J'ai déjà perdu Cynthia, je ne vais pas te perdre. Tu ne vas pas me perdre. Tu ne peux pas me perdre. Allez. Écoute, j'ai une cousine qui habite à PH. On peut cohabiter avec elle. Je ne peux pas. On ne peut pas quitter cette maison. Tu dois venir avec moi. Je crois que tu es fatiguée, que tu dois te reposer. Peut-être que demain matin, tu vas changer d'idée. Bébé, je ne parle pas de Allez, repos. Allez, écoute, allons-y. Partons. On y va. C'est juste deux minutes. On y va dormir. Partons. Je sais, c'est pas s'il bon. Te plaît. Allez, lève-toi. Moi. On y va. On... un mouvement brusque. Sandra, toi? Oui, c'est moi. Tu m'as fait ça? Oui, ma chérie, je l'ai fait. Même toi, John! Écoute, ma petite Jay, tu dois te réveiller. Hein? C'est très simple. Comment peux-tu avoir une somme de 2 millions de naira dans ton compte et je n'en ai pas? Oh, ma belle, allez, la nature t'a servi un cadeau sur un plateau d'or et tu n'as pas songé à partager avec qui que ce soit. N'es-tu pas mon amie? Je le suis toujours. Toi, arrête de parler, arrête, tais-toi. Je suis ton amie, et d'ailleurs ta meilleure amie. Je ne fais que du bien pour toi. Tu es très méchante. Oh, je suis vraiment désolée, je ressens de la peine. Oh non, je ne ressens pas de la peine. Les gars, dites oui. Rassurez-vous d'avoir son mot. Ne vous inquiétez pas, madame. Je la laisse entre vous. Okay. Vous devez l'obtenir, nous avons besoin vous de cet argent. Pas, madame. Vous ma chérie, au nom de l'amour, je t'ai tué. Tu es méchante. Je ne le suis pas, c'est juste que je t'aime. Ok, bébé, partons. Je t'aime beaucoup, ma chérie. Je t'aime de tout cœur, ma chérie. Bien, allons-y. Tu vas sentir. Bébé, oublie-le. J'étais un bébé. L'argent est à nous maintenant. Mais pourquoi? Pourquoi tu l'as tué? Oublie-le, on a l'argent et allons juste réjouir de l'argent. Arrête de me dire pourquoi je l'ai tué. D'ailleurs... Oh, vraiment? Tu fais ça pour nous. Ok, je vois. Ouais. Ah, ok, pardon. Tu es vraiment un idiot. This love, nothing lasts forever. Vanity upon vanity, vanity upon. Hey, 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 arrête-toi là. Madame, elle arrive. Officier, arrêtez-la. Avance. Avance. Allez. On a plus de temps à perdre. Avance. 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 C'est quoi ton pin? Vas-y. Ton pin, c'est quoi? Le code pin de ton code, vas-y. C'est parce que je me tiens devant toi pour plaisanter. 4-2. Vas-y, écris ça là-bas. Oui, c'est quoi après? Elle veut plaisanter cette fille. Tu plaisantes? Tu veux te faire du mal? Vas-y, donne. 1-5. 4-2, 1-5. Vas-y, tiens. Écoute-moi bien. Si seulement ça ne marche pas, tu verras. Écoute, nous espérons que ça marche si bien. Ce pin n'est pas correct. Que ça marche. Si ce pin n'est pas correct. Si ça ne marche pas, tu vas bien sentir ce qu'on va te faire. Ferme ta bouche. Arrête de parler. Vite.
tu me connais, non? Tu me verras très bien. Tu me connais, n'est-ce pas? Vas-y. Qu'elle ne bouge pas d'ici. Ok, vas-y. Je vérifie bien si c'est vrai. Il faut bien la surveiller. T'inquiète pas, tu restes avec elle ici. Elle ne bougera pas. Il n'a pas de l'autre part. Je reviens dans plus de minutes. Oui, qu'est-ce que j'ai vu, toi? Ferme ta bouche. Je reviens tout de suite. Toi. Toi avec une grosse engagement comme ça. Toi là. Peux-tu rester calme? Reste calme. Je suis pas là pour te faire du mal. Calme-toi. Allons-y, doucement. Au nom de Dieu, dis-moi, tu es où? J'ai un vol pour bientôt là. Faites vite, il faut que je parte maintenant là. Hein? Viens me chercher, s'il te plaît, j'attends. Oui, il faut arriver rapidement. Je t'attends déjà. Je suis déjà très pressé là. D'accord, très bien. Très bien. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Mais qui êtes-vous, monsieur? Monsieur, vous êtes sous arrestation pour les actes criminels. Et tout ce que vous direz sera retourné contre vous devant la cour. Allons-y. Fermez la bouche. Allons-y. Allons-y, monsieur. Non, s'il vous plaît. Je vais vous bousculer. Allons-y. Mais qu'est-ce que vous faites là? Ça signifie quoi? Est-ce qu'on peut partir, messieurs? Allons-y. Officier. Fais attention, doucement. Officier, Vivance. Doucement, s'il te plaît. On va nous aider. Doucement. Tiens bon. Vas-y. Tiens bon, ça va aller, tiens bon. Nous sommes presque. Tiens, vas-y, allons-y. Tiens bon, ça va aller, allons-y, ça va aller, allons-y. Officier, Vivance! Est-ce que quelqu'un peut me parler? Je me rappelle de toi. Tu es Kelvin. Où suis-je? Où est-ce que tu m'emmènes? Not do you good, only a matter of time. Pity away, remember the wages of sin is death, one and another one. There is no repentance in the grave, no repentance in the grave. You can lie to man, you can compromise. Désolé, calme-toi, ça va aller. Mais qui sont ces gars? Ces gens-là? Oui. Ce sont mes collègues. Comment? Je suis un inspecteur et je travaille sous couverture. Quoi? Oui. Je t'ai utilisé pour arrêter un gang renommé. Les gangs de tes amis, Cynthia et Clara. Je sais qu'un de tes collègues l'a côtoyé. Et je sais un moyen de t'atteindre. Regarde, écoute. Tu es maintenant sauvé. Vas-y et vis ta vie. Et fais comme si on ne s'est jamais vu.
Est-ce que c'est clair? Je pense comme si on s'est jamais vu. Oui. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. Nothing lasts forever. Vanity upon vanity. All of my vanity. Vanity upon vanity. Yeah. All of my vanity. Ooh. Chase the